Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur du Sanseiya. On va se faire une petite invocation tranquillement. Vous voyez, j'ai plein de quoi invoquer. Mais on va en faire qu'un pour l'instant. J'avais envie, parce qu'il y a un petit portail. Je sais pas du tout ici il est bien ou s'il n'est pas bien, mais il donne plein d'unités qui ont de l'évasion, donc ça peut être intéressant. Et il y a quand même quelques persos assez lourds apparemment, quand on voit là. Bah, tous les Godclaws, de toute façon, en général, ils sont pas dégueulasses. Et bon, il y a au moins un gros perso 3 étoiles qui est garanti, mais bon, à savoir lequel, si on va pas déjà l'avoir, on ne sait pas. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on y va, on va lancer ça et advienne que pourra. C'est parti, allez. Donne-moi du lourd, monsieur. Pas un doublon. Ah, Gemini. Bon, c'est pas un Ghost Close. Mais Canon, il est pas trop mal, hein, Canon. Est-ce que je l'ai déjà ou pas? Je sais que j'ai un Gemini, mais non, pas je ne l'ai pas celui-là. Oh! Sorrento. Ah, ça c'est pas si mal. C'est un autre 3 étoiles en plus, donc c'est pas mal. En plus, il faisait des trucs avec sa flûte, donc on ne sait pas. Ok, bon, bah, c'est pas si mal. Hein. Lui c'est qui? Ah, Yolo, ça c'est ok. Écoutez, j'ai envie d'en faire une deuxième. On a beaucoup de trucs et j'ai envie d'en retenter un deuxième. On en a eu deux et c'est pas des Ghost Close, donc ça m'énerve un peu. Alors on va quand même se le tenter. Allez, croisez les doigts pour moi. On y va. On espère encore quelque chose d'intéressant. Moi, tout ce que j'ai pas, je suis content, hein, de toute façon. Ah! Mime! Décidément, je me tape tous les trucs comme ça. Mais c'est pas si mal. Hein. Je me tape tous les musiciens, en fait. Pour un chanteur comme moi, c'est très bien, non? Allez! Donne-moi encore quelque chose. Non. Là, il n'y a rien. Quelques doublons. Enfin, quelques cosmos, je veux dire. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On va pas exagérer. On ne sait jamais qu'il y ait un autre des autres gros portails. Ça peut être intéressant de garder des stones, enfin des, je sais pas comment on appelle ça finalement, des orbes. Et puis voilà, on a quand même eu deux gros, trois persos qu'on n'avait pas, donc c'est pas si mal. Alors je vous propose qu'on aille voir tout de même ce qu'on a chopé finalement, ça peut être intéressant. Voilà, on a chopé trois petits bonhommes. Lui, c'est un bac. Donc, un qui attaquera de derrière. Donc, c'est pas si mal. Alors, Fire Harp.
Et on récupère des HP avec lui et apparemment il rend aveugle à peu près les adversaires si j'ai bien compris. Là il donne du physical damage à trois ennemis random. Trois fois à la suite. Ouais. Il doit à peu près les stun. Il doit les stun un peu, comme ça. Alors, quand il est. Ouais, il est invincible. Il se téléporte autour des ennemis. Les confie. Ah, il a quand même des trucs intéressants, lui. Monsieur Mime, il est pas mal, hein. Donc, ce Gemini Cannon, je ne l'avais pas. Bon, ça, c'est du Fury aussi. Okay, donc il va mettre de l'accuracy et de l'évasion. Ça c'est pour contrôler l'ennemi, c'est pas mal. Et ça c'est du physique. Ok, c'est pas mal. Et enfin, Sorrento. En jouant sa flûte, tous les ennemis sont en debuff. Donc en fait, il leur tire de l'attaque et de l'évasion. Ça, c'est du physique. Et ça donne quoi? Le son de la flûte magique. Inflige des dommages et les stun. Donc c'est beaucoup de stun en fait hein, avec ces personnages là, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Trois persos intéressants. Trois étoiles en plus, donc on est assez content. Et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Goodbye les gens.